La star se confie sur sa vie sans René. 2 ans après la mort de son mari René Angélil, sur lequel elle a veillé sans relâche, alors qu'il luttait contre le cancer, Céline Dion a retrouvé goût à la vie. Critiquée par une poignée de grincheux pour oser afficher une attitude décontractée depuis quelques mois, la star n'en oublie pas pour autant son défunt époux. Interrogée par Stellar Magazine, Céline Dion a confié qu'elle poursuit son étrange rituel instauré dans les coulisses de ses concerts à La Vega. La star possède une réplique en bronze de la main de René, qui lui sert de gris-gris. Je prends la main de René dans la mienne, et je donne un coup sur un morceau de bois, chaque soir avant chaque concert. Même après sa mort, je continue de lui parler, ouvrez les parenthèses, fermez les parenthèses, mon mari voulait que je remonte sur scène avant de mourir, c'est ce qu'il souhaitait le plus, a-t-elle déclaré. Will, René doit être fier, puisque la star continue sa résidence à La Vega, récemment amputée de cette représentation pour cause de maladie, et a effectué deux tournées, qui sont passées par la France. L'été prochain, elle se produira en Asie, où les places se vendent comme des petits pains malgré les prix exorbitants. Alors qu'elle s'apprête à franchir le cap des 50 ans en mars prochain, Céline Dion n'a plus peur de poursuivre sa carrière sans les précieux conseils de son mari, ni d'éduquer leurs 3 enfants. Il m'a tellement appris. Il a fait un super boulot, tout ce qu'il m'a donné au cours de sa vie et de la mienne, ça fera partie de moi pour toujours. Il m'a tout donné. Il a hypothéqué sa maison pour payer mon premier disque. Je crois qu'avant de partir, il voulait être certain que j'allais bien. J'essaye de lui prouver ça tous les jours. Nos fils grandissent, on se sent tous forts.